parfaitement, que ça soit la perfection, que ça soit la plénitude, que ça soit la totalité de ce que tu cherches. Quand il dit que tu ne le verras plus jamais, qu'il te remplisse totalement, complètement, pour que l'ennemi n'ait point un autre endroit ou un autre espace où il peut s'immiscer. Est-ce que tu peux t'élever pour que nous puissions accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Zen Rejanaï? Il va s'avancer dans nos acclamations. Il va nous parler de la part du Seigneur. Il va prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour cette instant que tu nous donnes. Colombe d'être Dieu pour ta propre parole. Pardonne-nous. De bénédiction. Femme de prêcher cette parole. Pour ce côté, dans nos paroles. Avec saint puissant de Dieu. N'a aucune émiance. Et assurance. N'a aucune amie. Seigneur. Colombe. Confirme ta parole. Tirinani Bobanayo. Par des signes. De Bénayabo. Au nom de Jésus. N'a pas Jésus. Amen. 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 Merci pour cette soirée. Pourquoi tu comprends? Je prie le Seigneur dans un tour d'Azabé qui m'a donné cette opportunité de me tenir devant vous. Oui, merci, mon Seigneur, pour te faire vos soirées. Pour me parler de sa part. Donc, on a bien aimé et le bien, oui. Et je remercie aussi dans un tour d'Azabé les bergers. Mon famille, des visionnaires, mon père et ma partie, qui vient à établir sur cette église, mon sang battu, mon père et mon amour, avec sa femme, la voisine, à qui le Seigneur a donné une bénédiction, la voisine, qui s'est venue, Daniel et son père de départ, la voisine, qui s'est venue, qui s'est venue, qui s'est venue, je ne suis pas meilleur que les autres, mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa volonté, a géré son église qui vient. Dieu ne sait que nous venons de parler. C'est Jésus que vous voyez, vous les verrez plus jamais. Ça va prendre nos Bibles, hein? Dans le livre de Exode 14. Au parti verset 1er, l'Éternel parla à Moïse. Parle aux enfants d'Israël qui se retournent et qui campent devant Pi-Hahiroth. À entre Migdol et la mer, vis-à-vis des bas de ces fonds, face de celui que vous camperez près de la mer. Pharaon dira, les enfants d'Israël qui sont égarés dans les pays, et les déserts les enferment. J'enlisserai les pieds de Pharaon, et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sont tous les carnets. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que les peuples avaient pris la fuite. Alors les peuples, les serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Ils dirent, quand on nous fait les sangs d'aller d'Israël, quand nous n'aurons plus les services, et Pharaon appela son char, il prit son peuple avec lui. Il prit six chars, et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous les combattants. L'Éternel a mis sur les pieds des pharaons, au roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main des mains. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux, les chars des pharaons, les cavaliers, et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth. Vis-à-vis des Baal-Zéphons, Pharaon approcha. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande
pas effrayé. Écrier à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte? Sanctifiez les noms de nous, venez mourir au désert. Dieu nous a kiffé en nous faisant sortir d'Égypte. N'est-ce pas ce que nous disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous allons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance qui est pour vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez les silences. Amen. Merci beaucoup. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Le contexte de cette histoire, les enfants d'Israël, ils étaient partis en esclavage. Ils étaient partis là-haut en Égypte. L'Égypte était un lieu de refuge. Là où ils étaient partis se réfugier, en Égypte, ils étaient partis chercher le pain. Je m'adresse à ce que j'appelle les changements de génération. Une nouvelle génération est de nouveaux défis. Mais lorsque vous lisez dans Exode 1-6, Joseph mourit, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là, les enfants d'Israël firent comme une pierre qui s'accrit et devint de plus en plus puissant. Et le pays en fit rempli. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point fourni Joseph. Il dit à son peuple, voici les enfants d'Israël qui font un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il s'approche et qu'il s'y souvient une guerre qu'il se joint à nos ennemis pour nous combattre et nous sortir du pays. Et l'on établit sur lui les chiens des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il passe de vie des piquants, des lancers pour servir les magasins. Mais puisqu'on l'a gardé, puisqu'il est multiplié et s'accroissé, et l'on prit à la version des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une vie servitive. Et il est gagné la vie à même par des travaux. En argile et en brique. Amen. C'était avec cruauté qu'il a déposé toutes ces charges. Au verset, dans Exode 1-6, on dit ceci, il y a eu un nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Lorsque la génération change, l'énergie aussi change. Les niveaux des attaques aussi changent. Les stratégies vont devenir le changement. On dit ceci, il y a eu un nouveau pharaon qui n'avait jamais connu Joseph. Et cette génération-là est bien-aimée lorsque une génération change. Les défis aussi changent. Les combats aussi changent.
Les combats que nous avons aujourd'hui, le premier point ne les a pas connus. Les combats que nous avons aujourd'hui, nos patriarches ne les ont pas connus. Car lorsque une génération change, les esprits aussi changent, les stratégies changent. Considérable, la croissance.
Je vous confirme que tu es appelé. Cet esprit qui t'empêche de t'épanouir, de te développer. Mais je vais te dire, je prophétise sur toi. Il y a cet homme qui vient pour toi, c'est la saison de l'épanouissement, c'est la saison de progrès, c'est la saison de développement. Parce que notre Dieu, il est celui qui est, il veut dire ceci, je veux que tes progrès soient évidents. Je proclame la saison de progrès, la saison de progrès pour cette église. Enfin, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Marchera contre tout esprit qui t'empêche de vivre les progrès, de vivre les développements, de ta voie de vivre les réussites. On dit ceci, empêchons-les de devenir plus nombreux et puissants. Que les diables ne veulent pas que nous soyons puissants. Les diables veulent que nous soyons faibles. Tu veux qu'on marche dans la faiblesse. Bien aimé, la boule est là. Tu es faible. Je m'attache à lui, il est inhibité. Je souffre de ce vrai, mais je m'attache à ça. Avec lui, je reviens fort. Amen. Ton esprit égyptien ne veut pas que tu te pousses à la force, que tu sois puissant. On a vu les gars, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La Bible de les gars, ceci, à celui qui n'a pas de famille, tu es comme une famille. Pourquoi? La puissance, c'est ça, c'est dans le contexte de la famille. Et tu es dans une famille, et c'est en bas où tu es ici, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Être puissant, c'est être. Mais les tiennes, va faire, marche, baisse. Amen. Dans les autres églises, on dit ceci. Montrons-nous à Dieu à son égard. Empêchons-les de les accouler sa croissance. Amen. Amen. Et en fait, l'église va sortir du pays. Celui des mois de ténèbres seront libérés et libérés dans la même situation. Que tu ne sautes pas, que tu ne puisses pas avoir ici, que tu ne sautes pas de la situation que tu as. Montrons-nous à nous. Les mots à lorsque vous regardez ça, ça montre une certaine stratégie. Ça montre la tactique. Ça montre des stratégies. Le monde est quand même change par moment. Des stratégies et des tactiques. Amen. Bien aimé. La Bible est là. Armez-vous des armes spirituelles. Nous sommes à nous armer des armes spirituelles pour être à la puissance du nom de Dieu. Amen. C'est moi ce midi aussi être sage. Mettez une certaine intelligence. Les tiens deviennent des stratégies. Il a une certaine intelligence. La nation, il a mis sa stratégie pour nous réduire. Les Égyptiens se cachent un esprit qui opère en arrière-plan. Un esprit qui ne veut pas comprendre. Un esprit qui le maintient dans la certitude. Bien aimé, empêchons-les de s'accroître. Ça signifie aussi empêchons-les de se multiplier. Les termes non utilisés là-bas, s'accroître, signifie qu'ils ne puissent pas se multiplier. Qu'ils ne puissent pas. Au Dieu Jésus, dans Genèse 1:28, la Bible dit Dieu a béni l'homme et la femme, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, la multiplication.
bénédictions, c'est une bénédiction que Dieu nous a donné. Dieu nous appelle à nous multiplier. Dans chaque bénédiction, la Bible déclare multiplier et ne diminuer pas. Amen. Oh, le monde est très bien, là, vous c'est bon, on dit ceci, on a établi sur elle des chefs de prophètes. Des chefs de prophètes, j'étais considéré comme des esclaves. Les chefs qui les faisaient travailler de force. Avec les réduits à la servitude. Amen. Ils étaient réduits à la servitude. Est-ce que vous savez que même les philistins sont les descendants de l'Égypte? Est-ce que vous savez que la vie Je dis à ma femme, à cause de ceux qui sont ici, déjà à 7 fois à quoi les cocons.
La transaction avait déjà été réalisée. Jésus-Christ a déjà payé. À la croix, il y a eu un acte transactionnel. À la croix d'Élimée, Jésus-Christ avait déjà payé la dette pour qu'on soit libéré. Et ces jours-là, d'Élimée, Pharaon, son cœur a changé d'Élimée. Mais qu'avons-nous fait? A laissé aller Israël quand nous repris les services. Bien, il y a dans certaines familles qui ont échappé de les lois. Il n'y a pas de problème. Les gens ne se marient pas. Il n'y a pas de maternité. Il n'y a pas de personnalité. Amen. Comme j'ai vu un gars qui est allé doter dans une famille. Quand il dote ses mains comme ça, après quelques jours, il s'en tient. Ça signifie quoi? Dans cette famille-là, il y a une certaine limitation. Mais avant d'aller avec les gars, il faut les réalités qui étaient dans la famille de cette fille-là. Et bien, quand il y a certaines filles, il y a des lois qui les empêchent de percer. Et c'est qui fait des travaux. Soit parfait. Et bien, mais bien, même si il y a des lois qui nous empêchent de sortir, qui nous empêchent de percer, qui empêchent d'avoir les enfants, j'aimerais te dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. Les Égyptiens ont commencé à poursuivre. À poursuivre les ténèbres. À poursuivre Israël. Les ennemis ont endurci leur cœur. Des fois, le Seigneur a endurci des ennemis. Il les amène là. Il les vient, plus qu'il prie, la situation devient compliquée. Vous savez, c'est pourquoi que la douleur de Dieu se manifeste. Vous savez. Notre Dieu, c'est un coach. Il aime mettre en scène des scénarios. C'est comme un jeu de cartes. Il donne à l'adversaire. Verset ouf. Il donne dans. Verset ouf. Mais il amène de la main rouge. Quand il l'a fait comme ça, notre Dieu est jamais. De l'autre côté. C'est ce que Dieu fait. Il amène, il a tiré en haut. Petit à peu. Un anneau. Pendant qu'il amenait Pharaon de l'eau. Israël regarde. Derrière, il y a Pharaon et son armée et les chars. Là devant, il y a la mer rouge. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire. Il y a ces rappels qui viennent dans les Seigneurs. Ils sont à un point de non-retour. Ils ne peuvent pas rentrer. S'ils rentrent là-bas, c'est la mort. Mais là-bas devant, il y a la mer rouge. L'option unique, c'est quoi? C'est de les faire les mêmes vertus. Quand il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, quand il voit la mer rouge, derrière il y a Pharaon. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle à garder silence, à ne plus avoir peur. N'aie pas peur. Regarde la grandeur de ton Dieu. Quelle soit la taille de la mer rouge, que soit la main de Pharaon, mais nous avons qu'une seule option unique, c'est de regarder vers le vent, de regarder vers le destiné. Il y a quelque chose qui nous attend. Alors bien aimé, ils ont commencé à prier, regardez les esclaves. Ils appellent Israël, ils viennent prier. N'ayez pas peur. Ne pleurez pas à cause de cette maladie. Cette maladie vous a tant dépassé. Ne pleurez pas à cause de cette situation. Il y a des gens qui ont des frères. Amen. N'ayez pas peur. La paix. C'est la dignité de des gens qui sont vaincus. Mais nous devons développer la mentalité de la victoire. La mentalité des vainqueurs. Amen. Et ils criaient à l'Éternel. Ils criaient à l'Éternel. Et ils disent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte? Pour que nous venions mourir, regarde les esclaves. L'homme d'habitude, l'homme n'est pas reconnaissant. On les prend ici, on les tenait là-bas, on les laisse là-bas, on les enterre. Mais pas tout ce que tu réclames, c'est la vie de l'intérieur. Les sépulcres. Amen. Et pourtant, tu prends ta main dans les bonnes conditions. Ils ont voulu même. Ils ont commencé à murmurer. Ils laissent nous servir les Égyptiens. Ils sont aimés la servitude. Il y a beaucoup de gens. Ils se sont adaptés par rapport à la vie misérable, par rapport à la vie de défaite, par rapport à la vie de la maladie. Ils sont en train de mener. Non, mais ça, maladie, la maladie pour eux. Tu mets la maladie pour eux. Non. Mais t'adaptes pas par rapport à la situation des humains. Mais les grands de leur Dieu qui
Vous savez,
un bébé, c'est pas venu les ventes de sa mère. Est-ce que vous voyez les autres? Est-ce que vous voyez la cuisine de Dieu? Il y a un jour, lorsque 9 mois seront là, nous allons constater tous les changements. C'est ce qui se passe quand c'est dans notre nation. Amen. Bien-aimé, Pharaon a poursuivi. Mais le Seigneur lui-même a combattu contre Pharaon. Pharaon a été englouti. Et tout cela en est. Le Seigneur bien-aimé a séparé la mer rouge en deux. Il a déployé la puissance. Or, les enfants d'Israël passaient. Ils ont vu la mer rouge. La semaine encore, ils regardaient bord. C'est Jésus qui te dérange. C'est Jésus qui le voyait. Vous ne verrez plus jamais. Cet homme de Dieu vous a toujours fait pleurer. Vous ne verrez plus jamais. Amen. Oh, tous ces gens-là, il y a un petit clou qui fait la loi de la famille qui a fait pleurer les gens qui ont été déjà pas. Sur la première période. Mais ces gourous-là, vous ne verrez plus jamais. On va prier. Bien-aimé, l'esprit de l'Égypte t'empêche. De progresser. L'esprit de l'Égypte t'empêche d'aller loin. D'aller loin de multiplier. Il veut que tu puisses avoir un lien, un niveau limité. Tu es dans des églises, tu ne fais que tourner en rond. Tu n'avances pas, il n'y a pas une percée. Tu fais toujours laisser place. Mais garde silence. L'Éternel combattra pour toi. Dieu s'est levé pour toi. Il combat pour toi ce soir. Dans sa stratégie, il est en train de combattre. Alléluia, est-ce que tu peux prier avec moi? Vous pouvez commencer à prier. Oh Rabababa. Shikalababa. Oh Rabababa. Seigneur Dieu. Alléluia. Lorsque la génération change, les défis changent aussi. Les défis ont changé. Tu n'as pas le même combat que ton père. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant. Au nom puissant.